Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout 4. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis enfin content de pouvoir vous tourner cet épisode de C'est Mort. Épisode qui m'aura pris beaucoup de travail. Puisque si vous venez d'avoir l'épisode de Capi dans une botte de foin partie 1, sachez qu'il a été tourné au mois d'août. Ou septembre, je sais même plus. Et qu'entre deux, je me suis pris la tête à trouver toutes les capsules, à écrire ça sur une feuille. Avant de tous vous les retourner. Non, ma vie c'est pas de la merde, tout va bien. Je vous jure, elle est passionnante. Donc, dans ce cimetière, nous avons le E. Voilà. Deux indices de trouver, encore 8. Top, top à la vachette. Ensuite, est-ce qu'on utilise les pouvoirs de téléportation ancestrale ou on y va à pied? Hein, c'est quoi ça? Ah, mais elles sont marquées! Et comment ça se fait? Je les ai pas découvertes. Attendez, c'est quoi les embrouilles? Elles étaient pas marquées. Attendez, c'est quoi les embrouilles? Qu'est-ce que c'est les embrouilles? Je vais juste payer ma tête, c'est pas possible. Ma vie est dégueulasse. Une poubelle là. Est-ce qu'il y a du stuff dedans? Du stuff? Non, y'a rien dedans. Non, c'est pas par là. De toute façon, je sais maintenant où elles sont. Vous avez soif? Le saloon de Doc Fosfal à Dry Rock Gulch pourra vous fournir un verre de Nuka Cola Wild glacé. Ouais, non, là, les informations. Le micro. Ramage de ce jeu. Je me suis aperçu que c'était même pas lié à ma capture, c'est que Skyrim a le même défaut, c'est vraiment propre au système de Bethesda, plus le jeu, plus vous avancez dans le jeu, plus il rame du fion comme ça, de temps en temps, faut que ça charge, ça rame du fion, c'est bien. Ouais, non d'accord, ça donne pas la zone exacte, c'est bien ça, ouais, j'avais peur. Ok, trois indices. Le R. Les lettres doivent former un mot. Ouais, évidemment, sinon ce serait pas aussi drôle. Hop. Ici de police, bonjour. Vous faire pas mal d'ennemis. Je vous conseille de surveiller vos arrières. Cool, vas-y. Vas-y, embrouille-moi ma gueule. Hein. Moi, je serais heureux de te défoncer. De toute façon, je pense que j'ai tous vous tué. Hein. Personne n'a réagi au fait que la fin des pillards pouvait être intéressante. Voilà, le S. Bon, j'ai trouvé un autre indice. Yes, top à la vachette. Tirons-nous d'ici. Et par là. Hop là. Non, c'est là, cette touche-là pour sauter. Mince. On va y arriver, hein. Vous espérez quelque chose des opérateurs. Alors, il est temps de commencer à les filer. Ok. Prochain point. Prochaine zone. Prochaine. Il y en a un peu. Quoi? Arrêtez-vous au café de Capi pour goûter les dernières délicieuses saveurs. Il y en a pas là? Tu me dis de la merde. Tu me dis des conneries. Ah oui, non, ça c'était terminé de réparer l'ordinateur. Oh. Faire un AVC, hein. Putain, j'ai fait toutes les poubelles du game. Hein. Pas une seule carré jette, quoi. J'ai vraiment laminé toutes les poubelles. On va finir par celle de du 14, parce que je suis plus sûr exactement. Dry Crackle Choquet, bah tout droit. Hein. On continue. Dans la suite logique des événements. Il y en a une, c'est dans la région rafraîchissante, mais. Je sais plus. Il y en a quelques-uns, je vous ai dit, je sais plus exactement. Ouais, je vais les trouver. Je les ai déjà trouvés, je les retrouverai, c'est pas un souci. On pourrait se TP là quand même. Ça commence à se voir que c'est un peu long. Usine des rafraîchissements, on peut passer par là. Hein. Non? Si. Il y a un truc que j'avais. Ah oui, il y a toujours ce truc là que je peux pas ouvrir. Il y a toujours un truc que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas remis le courant. Ouais, non, on va passer par là, visiblement, c'est. C'est kiff kiff bourlingo. Puf puf pouf. Ouais, c'est même plus court par là en fait. Ok, nice. Oh, le jeu en PLS, ah, faut tout charger. Qualité graphique qui est redescendu, hein. Attention. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils m'ont encore collé une mise à jour, ils m'ont réinitialisé tout le jeu là. Ça c'est. Ah, c'est la grande spécialité d'Nvidia maintenant. Il automatise lui-même. Il redéfinit lui-même la qualité graphique de mes jeux.
Et surtout, ce que je déteste, c'est qu'ils s'amusent à me les mettre genre en 400 par 800, tu vois. Lol.